L'agent de trafic est le prince du tarmac, le roi de la touchée. Entendez par là, c'est quoi en fait ton travail, Stéphane ? En fait, c'est de gérer la touchée de l'avion, de l'arrivée au départ. C'est quoi une touchée ? Une touchée, donc c'est à partir du moment où l'avion atterrit. On a 35 minutes pour que l'avion arrive et reparte. Je peux me dégager la zone, s'il te plaît, pour le pétrolier ? Je te remercie. Donc là, on attend une arrivée donc à 15h. Mmh. 35 minutes après, l'avion devra partir, sachant que pendant donc, ce temps de transit, il faut vérifier que tout le travail soit bien fait. Donc, de allant des agents de piste, donc pour le plan de chargement, c'est pour que le centrage de l'avion soit correct, pour que l'avion puisse décoller. D'accord. Parce que bon, un avion, ça décolle, on ne met pas les passagers où on veut, on ne met pas les bagages où on veut, il y a une procédure à respecter. Ensuite, donc, il y a le catering qui doit approvisionner, le fuel, le ménage. Et puis après, une fois qu'on a tous les intervenants, on peut lancer l'embarquement. Tango en écho 96, c'est bon, c'est une équipe qui était partie sur le vol, s'il vous plaît. C'est parti pour toi. Merci beaucoup, au revoir. Là, le vol, c'est fini, là ? Non, le vol vient de commencer, en fait. L'arrivée est finie, le départ commence. Maintenant, je vais me renseigner auprès de l'agent d'embarquement, savoir où elle en est au niveau des passagers, donc je vais l'appeler tout de suite. Ouais, Stéphane, je veux savoir où tu en étais. On attend 6 minutes et puis après, on shoot. Après, on chute, ça veut dire quoi ? Le passager a jusqu'à H-15 pour se présenter au bus. Si dans H-15, le bus ne part pas, on risque de partir en retard. Donc, on prend la décision donc, d'annuler le passager. Donc, tu m'estimes à combien le poids des bagages, s'il te plaît ? 5 bagages pour 100 kilos. Donc, on a 5 bagages en cas. Comment vous êtes arrivé à ce métier-là ? J'ai commencé par agent de piste, donc j'ai été au contact avec des agents de trafic, j'ai observé le travail qui m'a vraiment intéressé. Vous avez fait une formation ? Oui, on a une formation de 1 mois dans un centre de formation. Après, on est mis en parrainage avec un agent de trafic pendant 15 jours. Et après, on passe à un examen avec un formateur. Ouais, Stéphane, écoute, tu peux lancer l'embarquement. Super, merci. Dans votre métier, on n'a pas trop le droit de paniquer. Il faut rester calme et posé. Ce qui est difficile de temps en temps. Parce qu'on a quand même pas mal de choses à penser. Pas oublier, des fois on a peur d'oublier quelque chose. Les erreurs arrivent vite. On n'a pas trop, on n'a pas du tout le droit à l'erreur. C'est ça le problème. Si l'avion il y a un problème, le soir même vous êtes convoqué. On se fait shooter, oui. C'est le cas de le dire. Le timing, c'est la chose qui est le plus importante. On est payé pour faire partir les avions à l'heure, dans de bonnes conditions, donc dans des mesures de sécurité et sûreté maximum. Donc là, il est parti à l'heure, donc il n'y a pas de problème. Le boulot est rempli. Et ce sont des passagers partis à l'heure qui arriveront à destination à l'heure, détendus et satisfaits.